Hello YouTube, j'espère que ça va toujours. On est dans le caveau familial, on continue l'enquête. Et donc là, on est sur un truc vraiment très bizarre, avec un poème qui parle un peu peut-être des positions physiques dans les tombeaux, dans les tombes du coup. Donc on va regarder ça de plus près. I copied the grave layout to my notebook next to the poem. Ah, j'ai recopié la disposition des tombes dans mon carnet à côté du poème. Okay. These graves must somehow correspond to Father Bill's poem. Let's see if I can figure it out. On va voir si j'arrive à résoudre l'énigme. Donc ça correspond apparemment au poème de Bill. Confirmer la sélection, effacer la sélection. Alors, je gis au centre. Je gis au centre. Ma femme me regarde de haut, tandis que mes fils sont en bas. Elle attend. Joshua David Price, born June 8th, 1961. Died Isaac's brother, perhaps? Donc, Joshua, c'était le frère d'Isaac. Isaac Jeremiah. Ok. William Thomas Price. William Thomas Price. William Thomas, en fait, c'est le père Bill. Father Bill himself. Donc c'est William Thomas. William Thomas. Il dit au centre. Ça, c'est que... Ben, il dit au centre de la voix du Seigneur, ma femme me regarde d'en haut. Donc c'est... Sa femme c'est Agatha ou c'est... Non, attends. Agatha Price. Barbara Price. Barbara Price. Arthur Price. Isaac Jared Death Day. Henrietta Ann Price. Father Bill's wife. Henrietta Ann Price. C'est Henrietta du coup. Father... Henrietta. Henrietta William Isaac Arthur. No, that connection doesn't make sense to me. J'ai vu trois aubes sentir la chair de ma peau, leur bronze. En fait, oui, il y en a que trois, donc. No, that connection doesn't make sense to me. Après, il y a Arthur et Isaac. C'est du coup, tandis que mes fils sont en bas. J'ai vu trois aubes sentir la chair de ma peau, leur bronze radieux, j'y tout proche, mais pas dedans. De l'est à l'ouest, j'ai senti toutes les âmes, du durable à l'éphémère, leur part formant un tout. Ma femme me regarde de haut. No, that connection doesn't make sense to me. C'est bizarre. Hein? No, that. C'est du coup William. Moi, je pars du principe que là, je gis au centre. C'est William qui parle. Center above. I think I should figure out the previous part first. Ah, ok. Donc il y a. Center above below. Is he defining reference points on some kind of shape? Centre, au-dessus, en dessous, c'est ce qui les définit. C'est ce qui définit des points de référence pour une sorte de forme. Parce que du coup, c'est soit ça. No, that. No. No. That... Qui est Joshua? Il est mort en même temps que William. Enfin, il est mort un peu avant.
Arthur, il est mort un an avant. No, that connection doesn't make sense to me. Là ouais, je comprends pas trop l'énigme. Je suis au centre de la marque du Seigneur. Ma femme me regarde en haut tandis que mes fils sont en bas. Je sais pas s'il faut que je sélectionne dans un ordre. Non. Non. Bizarre. Mes fils sont en bas. Non, that connect. Mes fils sont en bas, ça veut dire qu'ils sont déjà, ils sont déjà morts. Non. Ben non. En fait, la... je suis au centre la marque du se... de la marque du Seigneur. Ma femme me regarde de haut, donc c'est parce que sa femme est morte. Sa femme me regarde de haut, donc elle est décédée, elle est au ciel, tandis que mes fils sont en bas. C'est-à-dire que ses fils, en fait, ils ne sont... Ben, ils sont pas morts. No, that connection doesn't make sense to me. Isaac Jeremiah Price, Donc ça c'est born Isaac. March 3, 1959. The death date is left blank. Donc il est pas encore Arthur mort. Price, born April 11, 1918. Arthur Price, on n'a pas de... Joshua David Price, born June 8, night Isaac's brother, perhaps? Peut-être le frère d'Isaac. Barbara Price, born July. Agatha Price. Ernest Edward Price. Henrietta Ann, father. William, father Bill himself. Henrietta Ann Price, father Bill's wife? No, that connection doesn't make. No, that. Ouais, j'essaie de comprendre, mais j'essaie de comprendre, mais c'est tendu. Center above below. Is he defining reference points on some kind of shape? Ma femme me regarde haut tandis que mes filles sont en bas. No, that can. No. No. Ouais, je sais pas en fait comment faire l'énigme, je sais pas trop. Je vois pas comment en fait. Comment faire que Center c'est... above. Je sais pas. Je comprends pas la mécanique. Je comprends pas la mécanique. Et dans la version anglaise, du coup, c'est marqué Father Bill. T'as la triche.
Ça, j'avais dans l'idée aussi de faire ça en mode bah tu. Quoi? Attends. Of course, the sign of the. Of course? Mais de quoi? Ça fait un signe de croix, mais quel rapport avec... Attends. Donc, je gis au centre. Ma femme me regarde en haut. Donc, sa femme, c'est pas Henrietta, en fait, c'est Agatha. Tandis que mes fils sont en bas. Mais pourquoi Henrietta, du coup? Pourquoi ça? Of course, the sign of the Lord. Some of the graves can form the shape of a cross. Bah là, pour le coup, j'aurais jamais trouvé. Quel est le rapport? Donc, je suis au centre. Donc là, ok, t'es au centre de la croix. Ma femme me regarde où? On a toujours dit que c'était Henrietta, sa femme. Du coup, Agatha, c'est qui? Parce que Agatha, elle est née en 1899. Donc c'est la mère de William. Potentiellement. Je comprends pas. Là, du coup, je sais pas. Certaines tombes forment des croix, ok. Now, if I can only figure out which dates are relevant. Maintenant, ça serait bien si j'arrivais à trouver les bonnes dates. Je joue au sang de la marque du Seigneur. Ah, la marque du Seigneur, c'est une croix, du coup, ok. Ma femme me regarde de haut. Ah, donc Henrietta est en haut de la croix, ok. Tandis que mes fils sont en bas. Et pourquoi est-ce que c'est. Ouais, c'était vraiment. Du coup, là, je comprends un petit peu la logique. C'est en fait, je gis au centre de la marque du Seigneur. Donc, la marque du Seigneur, c'est la croix. Donc, William, il est au centre de la croix. Ok. Ma femme me regarde en haut. Donc, c'est Henrietta. Et ses deux fils sont en bas. Donc, Joshua et Isaac. Et par contre, du coup, bah, ça fait une forme de croix. C'est juste pour ça que c'est en forme. C'est très capillotracté. Donc, mais bon, soit. Ok. J'ai vu trois aubes, sentir la chaleur sur ma peau, leur bronze radieux, j'y tout proche, mais pas dedans. Alors là, par contre, mon pote, ça va être. J'ai vu trois aubes. Three dawns should be three birth dates, but I'm not sure if those are the right ones. Trois aubes devraient être les trois dates de naissance, mais je suis pas sûr que celles-ci soient les bonnes. Three dawns. Après, je suis même pas sûr que ce soit les dates dans la croix. Je pense que oui, hein, parce que du coup, ça ferait un petit peu bizarre sinon, mais. Si je sélectionne autre chose. Three dawns. Ouais, il me dit même pas. J'ai vu trois aubes sentir la chaleur de ma peau. Alors, sentir la chaleur de la peau, c'est peut-être du coup en été. J'y tout proche, mais pas dedans. Three dawns. Là, je sais que c'est des dates qui étaient bah, au niveau de la chaleur, leur bronze radieux, j'y tout proche. Chaleur sur ma peau, tout ça, donc ça faisait penser un peu à l'été. C'est ça que juillet, août, tout ça. Enfin, juin, juillet, pardon. Il n'y a pas août par contre. Juin, juillet, c'est des périodes chaudes.
Alors, c'est les dates de décès. Du coup, là... Non, I don't see a connection. Parce que du coup, je suis trois aubes, l'aube d'une vie, c'est la naissance, effectivement, donc ça, je l'ai déterminé. Three dawns should be three birth dates, but I'm not sure if those are the right ones. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, j'aurais envie de faire par élimination. Genre, tu fais ça, ça, ça. Three dawns. C'est pas bon. Du coup, tu fais ça, ça. Three dawns. Et tôt ou tard, en fait, tu trouveras, mais du coup, c'est un peu naze de faire ça, mais. Three dawns. Three dawns. Three dawns. Tu vois ce que je veux dire? Three dawns. Three dawns. Tu fais tout ça par... En fait, c'est un ordre logique, c'est... Three dawns. Tu trouveras forcément, mais... Three dawns. 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 Donc on a Emilie, Ernest. Lui, il est pas dedans. On va essayer peut-être ceux qui sont dans les croix. Three dawns. Yes, that must be it. Three dawns mean three births, and they're all adjacent to Father Bill's grave. Ça va être ça, les trois aubes signifient trois naissances et elles sont toutes adjacentes à la tombe du père Bill. Quoi? Mais non! C'est quoi ces énigmes? C'est trois naissances, donc ok, ça je les avais, les dates de naissance. Elles sont toutes adjacentes à la tombe du père Bill. Et donc du coup, j'y tout proche mais pas dedans. C'était ça donc. Waouh. I'm sure I'm close now. I just have to somehow narrow down these to the correct number of digits. Je suis certaine d'être près du but maintenant. Il ne reste plus qu'à déterminer le nombre de chiffres corrects. De l'est à l'ouest, j'ai touché toutes les âmes, du durable à l'éphémère, leur part formant un tout. Bah, de l'est à l'ouest, j'ai touché toutes les âmes. De l'est à l'ouest, I think that's too few digits. Je crois qu'il n'y a pas assez de chiffres. Oh fuck. Donc il y a combien de chiffres? Est-ce qu'il y en a trois? No, I'm pretty sure that... Ouais, du coup il y en aurait trois. Donc de l'est à l'ouest, j'ai touché toutes les âmes, du durable à l'éphémère, leur part formant un tout. No, I'm pretty sure that's not it. De l'est à l'ouest, j'ai touché toutes les âmes, du durable à l'éphémère, leur part formant un tout. Du durable à l'éphémère. De l'est à l'ouest. Donc moi, pour moi, de l'est à l'ouest, c'est bah, de l'est. Parce que du coup, alors, si on part du principe que le nord, sud, ouest, est. Ah, c'est ouest, est en plus. Donc c'est de l'est à l'ouest. C'est dans le sens-là, du coup. From lasting to brief. Year, month, day. That's gotta be it. Bon bah voilà. Du coup, bon, la dernière énigme, bah maintenant que j'ai compris un petit peu la mécanique, mais le... Waouh, c'était pas évident, hein. C'était vraiment pas évident. De l'éphémère au durable, jour, mois, année, c'est sûrement ça. Donc 61, 11, 22. Ok, bon. Oh là 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 là, c'était... Hein? Allez, on y retourne! Aïe! Vas-y, casse tout aussi.
Allez, on y retourne. On va à l'église. Vite. Je veux connaître la réponse à cette énigme. À toute cette histoire. On s'approche de la fin du jeu, tout doucement mais sûrement. C'est 61 11 22, non? 6 digit code. Good to know. Un code à 6 chiffres, bon à savoir. C'était quoi? Je me souviens plus. 61 11 enfin si. C'est parce que j'avais mis? Yes. OK. Oui. Found a bunch of torn out Bible pages and a tape in there. Ah, dedans j'ai trouvé un tas de pages de la Bible déchirées et une cassette. This is William T. Price. My visions concerning my sons are troubling. I've watched them become corrupted with pride, turning their backs on our prophet, the Crimson One. I've seen the history of the church wiped clean, replaced with trickery and lies. This message is part of a fail-safe, should these predictions come to pass. I've hidden it so that only the true agents of the old guard, selected by the Crimson One, may find it. Now, hear these words. You must stare into the abyss, and let the abyss stare back into you. It's the only way to cleanse yourself of sin and achieve true salvation. May God be with you. Ça ressemble de plus en plus à du Cthulhu. Regardez dans l'abîme jusqu'à ce que l'abîme vous regarde. Ça me fait penser à du Cthulhu, mais puissance 9000, avec l'ancien dieu, etc. Il y a des émanations de Cthulhu. Hein. Il y a des émanations de Cthulhu, ok. Alors, qu'est-ce que dit la réconciliation. C'est nous ça, la réconciliation et l'unité sacrée avec Dieu est le seul moyen d'atteindre le salut véritable. L'homme écarlate trouve les âmes perdues au nom de Dieu. Libéré des chaînes du temps, il les guide et leur apporte la sagesse. Il réalise leurs rêves et visions afin de les préparer à la réconciliation. Les réconciliateurs en vie doivent alors descendre les marches du jugement. Chaque marche reflète une partie de leurs âmes. Ils doivent ensuite affronter leur part d'ombre, un serviteur de Dieu qui s'opposera à eux à chaque pas. Enfin, le réconciliateur doit réaliser les trois saints sacrements. Les trois saints sacrements. Pour s'unir à Dieu, les trois saints sacrements doivent être faits. L'expiation de la mère, l'absolution du père, la contrition pour le fils. Alors... L'expiation de la mère, l'absolution du père, tout ça c'est des trucs. Mais par contre, la contrition pour le fils. Hmm. Dieu observa ensuite le réconciliateur, posera son cœur, pèsera son cœur. Les méritants seront purifiés de leurs péchés et pourront atteindre l'unité sacrée Facebook. Je pensais pas ça. Les damnés verront leur cœur dévoré et seront jetés dans l'abysse. JC plus LM plus JR. Ok. Bah du coup JC c'est notre grand-père. Il y avait Franklin. C'est lui ? Je sais pas. L'homme écarlate. Ok. Voyons voir. Je vais aller voir ma pote, il se fait nuit. On va poser des questions à la mère grand. Comment elle va?
Parler des documents concernant la garde trouvée dans l'UT. Ne rien dire, ça n'a plus d'importance maintenant. Ah, j'ai quand même envie d'en parler. Hi, Grandma. Listen, I found something in this storage unit. J'ai trouvé quelque chose dans cette unité de stockage. Oh? What was it? Et qu'est-ce que c'était? Custody papers, with my name on them. Des documents de demande de garde avec mon nom dessus. I was hoping you wouldn't have to see those. J'espérais que tu n'aurais jamais à les voir. I need to know what happened, Grandma. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, grand-mère. Sharon was never a good mother to you, Kathy. Sharon n'a jamais été une bonne mère pour toi, Kathy. I know. It was the illness. She tried her best. It wasn't all bad. Je sais, c'était sa maladie. Elle a fait de son mieux. Il y a eu des bons moments aussi. You don't know the despicable things she and Brian did. Drugs, violence. Tu n'as pas idée des choses terribles qu'elle et Brian ont fait, Kathy. Drogue, violence. We wanted something better for you. Nous voulons quelque chose de meilleur pour toi. Joseph started talking to lawyers, staying up late at night on the phone, trying to find a way, some kind of loophole to get you back. Joseph a commencé à parler avec des avocats, à leur parler au téléphone jusque tard dans la nuit. Il cherchait un moyen, éventuellement un vide juridique pour essayer de te reprendre. C'est donc dans le répondeur, on a un message qui dit laissez-nous tranquilles, tout machin. Je pense vraiment que c'était. Ça fait un moment que je le disais. Je pense vraiment que c'était la mère de Kathy, du coup, qui a appelé Joseph en disant je vais appeler la police si vous ne laissez pas tranquille, etc. Je pense que c'est ça. Mais we ran out of courts to appeal to, and your mother retaliated with a restraining order. Mais nous avons fini par épuiser toutes les ressources et ta mère s'est vengée en nous imposant un ordre d'éloignement. Donc c'était bien elle. And that was it. She had won. Et c'était fini. Elle avait gagné. I wish things could have been different. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. I do too, dear. Every day. Now you're getting me close to tears. Let's talk about something else. Moi aussi, ma chérie, tous les jours. Et maintenant, je suis au bord des larmes. Parlons d'autre chose. Okay, Grandma. Aïe, 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 aïe. There are a few things I need to ask. Very well. Have you heard about someone or something called the Crimson One? T'as déjà entendu quelqu'un ou quelque chose qui s'appelait l'homme écarlate? Goodness dear, you're giving me the chills. Ce que tu me dis me fait froid dans le dos. I distinctly recall your grandfather mumbling that word in his sleep. Crimson. Crimson. Et donc le grand-père, notre grand-père marmonnait dans son sommeil écarlate. He did? After he had the injury? Après son accident? Yes, he rarely spoke at all, but that's the single word I can clearly remember. Il parlait très rarement, mais c'est le seul mot que je me souviens clairement. Strange. Wow, okay. I found these in the church. Do they mean anything to you, Grandma? J'ai trouvé ça dans l'église. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi? I'm not sure, dear. Is there anything in particular you'd like to ask me about them? Je suis pas sûr, ma chérie. Y a-t-il quelque chose de particulier que tu souhaiterais me Maybe. Demander à ce sujet? I'll let you know if I think of anything. Ouais, je te dirai si je pense à quelque chose en particulier. I don't need to show. Moi, ouais, je pense de lui montrer ça. Moi, ouais, je pense que c'est bon. Okay, that's all I need. Good luck out there. She's burning up. She's fighting it, whatever it is. Ok, elle est en train de se battre. C'est terrible. I'm sorry, E. Ok. Bah non, en vrai. Father Bill must have wanted to hide these for a reason. Bon, en vrai, là. Je pense que ça c'est Franklin, je sais plus son nom de famille. Là c'est Joseph, c'est notre grand-père. Lily Myers. JR. Bah Joseph Wayne. Je suis con. J'y sais c'est qui alors? Thank you.
J'ai plus tous les noms. Ah, j'ai pu aller là non plus. JC. Hey Lenny. Hello Kath. Nah, I don't want to ask. Je vais lui montrer peut-être ça. I don't want to show him that. Je peux pas lui montrer ça. Ok, bah tu seras rien. Well, see ya. Hello, Sheriff. I don't need to ask. I don't want to. That's all. Good. Ouais, bon, j'ai pas besoin de montrer ça. Je vais peut-être le montrer par contre au prêtre. Peut-être que Isaac pourra nous en dire plus à ce sujet. I have more things to say to you. Speak with. Il y a encore ces trois trucs là. Je vais reposer la question. Un tableau volé. Why did you destroy Lily's paintings? Ah oui, parce que c'est vrai, du coup, on a. Pourquoi est-ce que vous avez détruit les tableaux de Lily? Is that what you think I did? Vous croyez que je les ai détruits? They looked pretty ruined to me. Parce que je vois, il pourrait être dans un meilleur état. Like an ignorant child, you look only to the surface and not on what lies hidden beneath. Vous voyez pas ce qu'il y a en dessous. Are you implying that the paintings contain some hidden message? Vous êtes en train de dire qu'il y a une sorte de message caché? Yes. Lily was special in God's eyes, a chronicler, a bestower of wisdom. As an emissary of God, it is my duty to unlock the divine knowledge in her work for all of mankind. Pour le bien de toute l'humanité. Très bien. Après, on a déjà révélé ce qu'il y avait. What is your church really about, Isaac? What are you trying to accomplish? Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir? The same as any other church. All we want is the. By any means necessary. A necessary. Ouais, you are quite obviously brave. You can try, child. Who is the Crimson One? Qui est l'homme écarlate? No one that concerns likes you. Personne qui concerne les gens de votre espèce. So you do know something. Je sais quelque chose, bien sûr. That knowledge is not to be shared. Donc il voudrait me dire de plus. Look what I found in the church, Isaac. Regardez ce que j'ai trouvé à l'église, Isaac. Come to gloat, have you? I see that you've added stealing to your list of sins. Vous êtes venu me narguer, c'est ça? Je vois que vous avez ajouté le vol à la liste de vos péchés. Honestly, I just want to understand. What does it all mean? The mending? Je cherche simplement à comprendre, en fait, effectivement, qu'est-ce que ça signifie la réconciliation. I don't believe you're sincere for a second. I will speak of this no longer. Je ne veux plus parler de ça. Oh, il boude. Oh, il boude. I already asked him about that. Ça y est, il boude. Listen to this, Isaac. Hey, c'est vrai qu'il y a ça. This is William T. Price. My what visions is this? Concerning my sons are troubling. I've watched them become corrupted with pride, turning their backs on our prophet. The Crimson One. I've seen the history of the church wiped clean, replaced with trickery and lies. This message is part of a fail-safe. I don't believe it. Father saw all of this coming. God, have I strayed from the faith? Me suis-je écarté de la foi, tu crois? It's not too late to redeem yourself, Isaac. I've met the Crimson One. We're on the same side. J'ai rencontré l'homme écarlate, nous sommes dans le même camp. Preposterous. No one has witnessed that apostate since father's death. Personne n'a vu cet apostat depuis la mort de mon père. I've been north of the lake, but he's nowhere to be found. Je suis allé au nord du lac, il était à trouver. He abandoned us all, and the divine work now rests upon my shoulders. Oui, c'est sur mes épaules que repose le travail divin, bien sûr. You believe that you are carrying out the work of the Crimson One? Vous croyez poursuivre le travail de l'homme écarlate? I think I can't hear that mocking tone of yours. I will speak of this no longer. Je ne veux plus parler de ça. He mentioned north of the lake. That's part of Conwell Woods. Il a parlé du nord du lac. Oui, j'ai compris. J'ai entendu et j'ai bien tiqué aussi. I'll probably have to narrow it down more, but it's something. Il va falloir que j'affine mes recherches, mais c'est déjà quelque chose. Looks cramped. Si j'ai présent, pas bien grande. Ah mais oui, c'est parce que j'ai cliqué. Le clic de ma souris est beaucoup trop sensible. Father. Père. Have you abandoned me? Vous m'avez abandonné?
I will atone for my sins. I swear it. Je ferai pénitence pour mes péchés, je jure. God have mercy on me. Dieu ait pitié de moi. Ouais, 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 bon, bah on y va, hein. En avant, Guingamp. On va du coup au bord du lac. Thick, dense forest. What were you doing out there, Grandpa? Une forêt dense et épaisse. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, grand-père? J'ai pas moyen de. Conwell Lake, where Lily Myers met her. Oh, gee, I would, but I forgot my swimsuit at home. Ok, mais du coup, comment je fais? On a de la chance qu'elle soit pas encore rentrée. Hein. Parce que quand elle va voir ça. Nice view of the lake from here. Ça va craindre. Hein. Nathan is drowning Lily in the lake. Ça va craindre. Il me semblait que j'avais découvert un nouveau lieu, non? Il me semblait que j'avais découvert un nouveau lieu. Oui, il est là. Putain, je l'avais pas vu. Il est là. Ok, nouveau lieu. Nord, sud, est. Il avait dit au nord, non? Allons tout au nord. Hein. Il a dit au nord dans la forêt. Ah. What the? How did I get back here? I must be going in circles. Je dois tourner en rond. C'est bizarre parce qu'on a toujours été tout droit, mais pourquoi pas? Ce genre de labyrinthe. On va faire nord, ouest. J'ai cliqué à côté, désolé. Je vais faire nord, ouest, nord, ouest. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien non plus qui indique par où passer. Ah, c'est quoi ça? Non, ça fout. Je vais essayer toutes les combinaisons, du coup, je vais refaire par... par logique. Après, il avait dit au nord, donc on peut essayer par un autre endroit après. Mais là, du coup, on fait nord, nord. Si on va au sud.
Bon, où est la logique? Bon, on va noter les chemins qu'on fait, hein, écoutez. Donc nord. On va faire full nord. On essaie des trucs, hein, en même temps, on est là pour essayer. Nord, 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 c'est non. On va faire est. Allô? Tu veux parler à l'est? Est. Est. Est, est, est. C'est non. On va faire sud. Après, on peut même aller à l'ouest, même si on vient de là. Bizarre. Essayez de voir ce que ça fait. Sud, sud et sud. Il y a rien. On va aller du coup à l'ouest. Donc ce qui est bien, c'est qu'apparemment, c'est toujours par 3. Ouais, c'est ça. C'est toujours par 3. Alors, du coup, là, on va faire... Nord. Et si on fait Nord-Sud? Si on revient sur nos pas, est-ce que du coup, le jeu, il comprend que... Non, le jeu il comprend pas. Du coup ça augmente les possibilités. Nord, sud, ouest. C'est non. J'essaie de voir si on n'a pas un endroit, s'il y a trois trucs. Ça c'est le dernier indice qu'on a eu. On a... l'expiation de la mère, l'absolution du père et la contrition du fils. Mince. Du coup, je clique à côté. Là, si on essaye... Est. C'est non.
Si on essaye nord. On va essayer toutes les combinaisons. Ça va être chiant, hein, mais je ne sais pas trop par où aller. Nord, sud. Sud. T'imagines toutes les combinaisons qu'il y a ? Il y a forcément un indice. Il y a forcément un indice. Après, là, la carte est vraiment pas logique. Hein, parce que du coup, tu vas au nord, tu vas au sud, tu vas au sud, tu retournes au point de départ. C'est bizarre. Il y a forcément un indice quelque part. Il parle de la température, effectivement. La température, moi, ça me parle de ouf. Maintenant, ça me... En fait, c'est vraiment des détails de ouf. C'est des détails de ouf. Mais en fait, bah oui, il y a un thermomètre ici. Il y a un thermomètre ici. Qu'on n'avait pas pu prendre avant. Sauf que maintenant, on peut le prendre, j'imagine. I'll just borrow this for a while. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui nous disait. Et je pense que sans ça, en fait, on pouvait même pas avancer. Même si on avait la bonne combinaison. Bien joué, ça. Regardez le thermomètre. Et donc, d'après la cassette... This is Joseph Rain. Operation Log, Part 4. August 8th, 1981. The area appears to be circular with... along the outer perimeter. Réaction endothermique se produit. So it's important to be observant of changes in temperature. Ce qui importe, c'est souvent après l'autre. Ok. Il y a un changement au niveau de la température. Donc là, on a l'impression que ça. Ah non. Ok, quand on s'en approche. Et là, on a mine de 1, ouais, ça dure plus longtemps. Donc non. Ouais, là. Il y a un changement de température. Ouais, là. Eh ben, c'était un. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok. Qui a fait ça? Met her end. Someone left this message here for me. Quelqu'un m'a laissé un message. Rencontra sa fin. It's the red scythe flower. Must be hundreds of them here. Il doit en avoir des centaines ici. So much for being endangered. On va oublier qu'elles sont menacées. Est-ce que tu vas sentir les fleurs? Intense. Oh, they're making me a bit dizzy. Tu sais ce que ça fait en fait. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Ouais, je pense que c'était ce qu'il fallait faire dans tous les cas pour faire avancer le truc. Greetings. Salutations. You again. Encore vous. Me again. Ouais, encore vous. You better have some answers, Crimson One. Faut mieux d'avoir des réponses, Monsieur Écarlate. All in due time. Your friend is being claimed by the darkness. She's standing on the brink of the abyss as we speak. Ouais, notre ami se tient au bord de l'abysse. Are you talking about Eileen? Oui, il parle d'Eileen. Yes. If you wish to save her, you must descend. Bon, vous devez descendre, du coup, si vous voulez la Why? Sauver. What is down there? Y a quoi en bas? The tribulation, the reflection of the soul.
We call it the mending. La réconciliation. C'est qui nous? My kind, servants of the old god. Les serviteurs de l'ancien dieu. To what end do you serve this god? What does your kind actually want? C'est vrai ça. À quelle fin servez-vous ce dieu? Ouais. All we want is for you to take your medicine, Kathy. For you to grow and be happy. Alors, tout ce que nous voulons, c'est que vous preniez le remède pour grandir et trouver le bonheur. If that's the case, why were all those people hurt? Pourquoi vous avez du mal à toutes ces personnes? Grandpa? Lily, Jimmy, grand-père. You misunderstand. What one wants and what one is able to do are two different things. Vous ne comprenez pas, c'est qu'une personne de ce dont elle est capable, ce sont des choses différentes. Happiness is not a one-way street. Le bonheur n'est pas une voie à sens unique. On le reçoit pas, on le gagne. Ok. Your grandfather understood that. He embraced it. Ok. You saw grand-père. Vous avez vu grand-père? Bah oui, forcément. Oh yes, right here. Juste ici. He was a tortured soul, desperate for some kind of meaning after losing the light of his life. Oh. You. C'est terrible. C'est une âme torturée depuis qu'il a perdu la lumière de son cœur. C'était nous. Cathy. He sought the power below, the vessel of redemption. But Grandpa didn't make it. He failed. How could I succeed when he wasn't able to? Comment pourrais-je réussir s'il a échoué? He was so much stronger than me, so much braver. Bien plus fort, bien plus courageux. Is that what you believe? Perhaps you don't know him as well as you think. Peut-être que vous ne le connaissez pas aussi bien que vous le pensez. But why me? Why are you making me do this? Pourquoi me faites-vous cela? Because you so desperately need it, Kathy. You're haunted by your past, by all these painful memories long forgotten. Bref, désespérément besoin. They follow you like a shadow, pulling you down. They taint your every thought, impulse and deep desire. Ok, c'est It is foul to us. C'est quelque chose d'impur. This is crazy. I could just walk away, get on my bike and drive, forget I was ever here. C'est clair qu'elle pourrait partir, mais est-ce que ça résoudra ses problèmes internes pour autant? Non. There's nothing stopping you. Rien ne vous en empêche. Eileen. Can't leave her like that. Je ne peux pas la laisser comme ça. Allez. I see now why he speaks so highly of you. Je comprends maintenant pourquoi il parle de vous de façon si élogieuse. Ooh. Ooh. Surreal. It looks like grandma's, but different. On va faire une pause dans la VOD YouTube. J'avais dit que ça serait ma dernière VOD de la journée, etc. Mais là, j'ai trop envie de continuer. Donc, n'hésite pas à t'abonner, lâcher le petit like. Cette aventure est incroyable. On se rejoint tout de suite pour la suite de cette enquête. Et possiblement la fin aussi. Parce que là, ça sent la fin de ouf. J'ai trop hâte. Des bisous YouTube.